Voici comment les baleines dorment. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tellement bizarre! C'est tellement chelou! Voici pourquoi je déteste les océans. Qu'est-ce qu'il va montrer? Ok, donc c'est un mec qui est tranquillement en train de faire du paddle. Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est un mégalodon? C'est une sorte de une baleine géante? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique par contre, hein. Mais pour les gens comme moi qui ont la thalassophobie, c'est horrible! C'est vraiment le pire truc! Un visiteur à 5h du matin. Qu'est-ce qu'il a vu? Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce mec? Ok, là, pour le coup, c'est glauque. Hein. Imagine, tu te réveilles le matin, tu vois ça devant chez toi. C'est vraiment glauque. On est d'accord. Une espèce de requin datant de plus de 80 millions d'années a été retrouvée. Qu'est-ce que c'est que ça? Au Japon. Oh, mais comment est-ce qu'il existe encore des trucs comme ça, celui-là? Putain, c'est glauque. C'est vraiment bizarre. On dirait une espèce de Godzilla, genre mutant. Je sais pas si vous avez la ref ou pas, mais c'est bizarre. Ce mec-là est mort d'une façon vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il était en train de creuser un trou. D'accord, tranquille. Il creuse un trou très profond. Il voulait relier les deux tunnels, ok. Ça fait du sens. Ça n'a pas marché. Ok, c'est bizarre. Il a été enterré vivant sous le sol, d'accord. C'est vraiment, vraiment bizarre. Ses potes ont essayé de la récupérer, mais ils ont mis trop de temps. Waouh, c'est horrible, frère. C'est vraiment horrible pour le coup. C'est vraiment horrible. Des sons étranges enregistrés dans l'océan. Qu'est-ce qu'ils... Apparemment, ce son-là provient d'une baleine. Autre bruit plutôt bizarre, ça serait apparemment des grattements au fond de l'océan. Écoutez bien. Voici le bruit que fait une baleine pour impressionner un humain. En vrai, c'est un peu glauque. On dirait presque des bruits d'humains, genre. Voici un bruit inconnu provenant d'en dessous d'une des fosses marines. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Ça a mis les frissons. Ça m'a vraiment mis les frissons, ces bruits bizarres. Une vidéo vraiment étrange trouvée sur internet. Ceci est apparemment une église abandonnée. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais c'est quoi ça, frère? J'avoue, c'est glauque. Hein. J'avoue, pour le coup, c'est vraiment glauque. Et j'ai aucune explication. C'est ça le pire dans ce genre de vidéo, c'est que là, j'ai aucune explication. D'ailleurs, bonsoir, comment est-ce que vous allez? J'ai encore oublié de faire l'introduction de cette vidéo. Bienvenue dans un nouvel épisode React TikTok flippant, yeah. Dans cet épisode, on va regarder des vidéos vraiment étranges qui ont récemment été découvertes sur TikTok. Vous savez, chaque semaine on se pose, toi et moi, on se met tranquillement. Pourquoi tu fais du bruit toi? Arrête de faire du bruit, c'est fou! Chaque semaine, on se pose, toi et moi, pour regarder et pour faire le point sur tous les récents TikTok étranges qui ont été repérés sur la plateforme. Parce que chaque jour, il y a des centaines et des milliers de vidéos qui sont publiées sur la plateforme et certaines sont vraiment bizarres. Et c'est ça ce que j'adore avec TikTok. C'est que comparé à YouTube, il y a tellement de vidéos qui popent de partout dans tous les sens qu'on peut vraiment retrouver des pépites. Et c'est ce qu'on fait dans cette série. On retrouve des pépites et je vous les analyse en vidéo. Bref, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint le Cookie Gang. Ça me fait trop plaisir, d'ailleurs, on est bientôt 400 000 sur cette chaîne secondaire. C'est incroyable! C'est plus une chaîne secondaire, malheureux. Là, c'est une chaîne incroyable du cookie. Pardon, il faut que j'arrête avec le Cookie Gang. Oublie pas de mettre ta petite photo profil. Et oui, évidemment, pour ceux qui savent pas, le Cookie Gang, c'est en gros comme la Redbox ou comme le Lot, mais en plus petit, avec moins de budget. Mais on est quelques créateurs à s'être réunis dans le Cookie Space, donc cet espace là où je tourne mes vidéos. Il y a moi, il y a Rayton en face, et il y a une troisième créatrice qui va nous rejoindre dans très bientôt, d'ici quelques jours. Son pseudo commence par un X. Je vous spoil pas qui c'est, mais certains d'entre vous dans les commentaires ont déjà trouvé. Voilà, certains ont déjà trouvé qui est la troisième personne faisant partie du Cookie Gang. D'ailleurs, elle aura son décor juste là derrière moi. Elle est trop bien. Bref, on reprend. Ce mec a filmé un truc vraiment bizarre en caméra. Qu'est-ce qu'il a vu? Deux joueurs font exactement les mêmes mouvements. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment chelou pour le coup. Après, en vrai, ça peut s'expliquer. Hein. Vu que c'est un sport, tout le monde est synchronisé sur la balle et tout, ça fait du sens. Voici une vidéo que tu n'aurais jamais dû voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un test de bombe atomique. Oh! Ah ouais. C'est gigantesque. Le truc est gigantesque. Voici une autre chose que les humains ne devraient jamais regarder. Des crabes qui sortent du sol. Comment ça? Ah! Ah, c'est bizarre, non! Ah, ça me gratte! Oh, c'est si peu satisfaisant! Cet homme a survécu à l'impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Vanessa Vulovic, qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a survécu à tomber de 33 000 mètres de hauteur sans parachute. Comment c'est possible? Hélène Clabon, qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a vécu 42 jours sans nourriture, sans rien du tout après le crash d'un avion. Mec, ça c'est un sujet de vidéo à Squeezie. D'ailleurs, on l'a pas déjà vu? Je suis sûr qu'on a déjà vu l'histoire de Hélène dans une vidéo de Squeezie. La vidéo la plus étrange trouvée sur internet. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé?
Wow. Là, pour le coup, c'est glauque. Ça fait partie de mes plus grosses phobies. Hein. Pour le coup, les gens qui ont des espèces de têtes un peu bizarres avec... J'aime pas du tout. Tu n'aurais jamais dû voir la vidéo qui va venir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Quoi? Attendez, vous êtes en train de me dire que depuis le début, les coquillages nagent. Donc vous êtes en train de me dire que depuis le début, les coquillages nagent. C'est impossible. C'est... What the fuck, bro? What the fuck, man? Dites-moi dans les commentaires si je suis le seul à apprendre dans cette vidéo que les coquillages nagent. J'ai toujours cru que les coquillages, moi, j'étais statique. Genre, wow, je suis trop teubé. C'est incroyable. Un extrait étrange trouvé sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Une vache possédée? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça va, ça peut être juste une vache qui se tape des barres. En vrai, c'est chelou, mais ça passe. La preuve qu'uniquement 5% des océans ont été découverts. Les refs, mais cette vidéo, elle est focus sur la thalassophobie. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui a été filmé dans l'océan? Comment ça me passionne trop ce genre de vidéo, par contre, les refs? C'est... What? Qu'est-ce que c'est que cette créature? Elle est magnifique. Elle fait peur, mais elle est magnifique. Éteins les lumières quand tu vas voir cet extrait-là. Qu'est-ce que... Ok, c'est bizarre. J'avoue, c'est chelou, mais ça passe, c'est juste un peu étrange. Un garçon expérimente un poltergeist chez lui. Pour ceux qui savent pas, un poltergeist, c'est une sorte de d'esprit ou de truc vraiment malveillant. Oh putain. Mais en vrai, ça peut complètement être une mise en scène. Hein. On est bien d'accord, l'espèce de fantôme avec des trucs dessus. Ça, en vrai, je vous avoue, j'y crois moyen. Tout, c'est un petit peu trop cliché. Déjà, je vois pas pourquoi un fantôme mettrait genre une couverture sur lui, genre ça n'a aucun sens, on est d'accord. La preuve qu'un jour, les vampires ont existé. Une cage à vampires. Quoi? Le cœur de quelqu'un retrouvé percé. Oh, des outils pour chasser les vampires qui ont été retrouvés. Mais what the fuck? Alors ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup trop, les refs. Je veux une vidéo entière. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. On fait une vidéo entière où on enquête sur est-ce que les vampires ont vraiment existé. Parce qu'il y a une vraie question derrière. Les gens qui croient vraiment que les vampires un jour ont existé. Donc les vampires, c'est les gens qui sucent le sang pour se nourrir, en fait. Et c'est vraiment des créatures un peu flippantes. Mais je trouve ça trop intéressant. Et il y a énormément de choses qui font que peut-être dans la vie, ça a existé un jour. Je suis trop fan de ce genre de théorie. Cette vidéo va te rendre anxieux. Comment ça? Ah! Non! Non, pourquoi? Non, j'aime pas ça! J'aime pas ça, ne fais pas ça, non! Ah! Putain, je suis anxieux. Ça a marché à 100%. Dites-moi dans les commentaires si ça a marché sur vous. Chez moi, ça a marché très bien. Cette vidéo a été prise en 2010 lors d'un concert chrétien. Les parents n'ont rien remarqué de spécial jusqu'à ce qu'ils voient ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ce bail? C'était quel genre de bail ce truc, mec? Oh, j'avoue, là, c'était vraiment glauque. Les choses les plus étranges trouvées sur une image. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Comment c'est possible qu'il y ait sa tête dans le... Ah, qu'est-ce qui... Est-ce que c'est une photo normale? Il y a un mec pendu derrière ou je rêve? J'avoue, c'est qui ça? C'est quoi? C'est qui? Est-ce qu'il est accroché au... Ah! Mec, ce genre de truc, mais ça met si mal! En vrai, cet épisode, il est dard. L'épisode qu'on est en train de se tourner actuellement là, il est incroyable, les refins. Il se passe tellement de choses. Un appareil non identifié filmé par la NASA. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? What? C'est un putain de vaisseau spatial, les refs. Non, c'est pas possible. Je pense que c'est. Honnêtement, je pense que c'est fake. Pour vous dire honnêtement, là, je pense que celui-là est fake. Genre, il me paraît trop gros, trop impressionnant pour être vraiment un truc réel. Genre. Mais c'est super intéressant. Ça n'empêche, c'est très intéressant. De justesse frôler la mort. Encore. J'adore ce genre de vidéo. Le président Poutine, donc le mec tout à gauche, a reçu de la nourriture avec du poison. Ah oui, d'accord. Donc il y avait du poison là-dedans et les gens à sa gauche sont les mecs qui ont essayé de l'assassiner. Putain, c'est choquant. Pour le coup, c'est vraiment choquant. Et on voit qu'ils ont l'air complètement normal, quoi. C'est ça le plus horrible. Des dessins faits par des personnes atteintes de maladies mentales. Oula, je sens que je vais pas aimer ça. Ah, c'est bizarre. Ah, ça va, c'est joli. Oh, ça, c'était entre deux. C'était un peu chelou, mais ça va. Un extrait d'une vraie backroom. Pour ceux qui connaissent pas, les backrooms, c'est une partie cachée d'internet. En fait, c'est un endroit où tu as des lives vraiment sombres, où t'as des gens genre qui font du mal à des personnes, etc. Et tout se passe sur le dark web, donc une partie cachée d'internet. Ok. Pour le moment, ça va, y'a rien de spécial là-dedans. Non, ça va, ça a été. C'était juste une... D'accord. Une créature inconnue filmée en caméra. Donc déjà, l'endroit est glauque. Hein. Déjà, l'endroit est vraiment glauque, genre. C'est le pire endroit pour eux. Quoi? C'était quoi ça? C'était pourquoi il y avait une sorte d'humain qui te regardait vers le haut comme ça? Putain, mais t'imagines, tu vas aux toilettes, t'ouvres la cuvée des toilettes, tu vois un mec comme ça. Bon, en vrai, ça serait un mec miniature du coup. Mais... C'était la pire comparaison que j'ai faite, vraiment. Désolé, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère parce que voilà. Oh mon dieu, c'est un serpent. Wow.
What? C'est un putain de serpent géant, le bail. Une lumière filmée dans un hôpital abandonné. C'est quel genre de bail? Mais ça va, ça va, ça va. Oh putain. Oh putain, donc ça, c'est que des images vraiment choquantes. Oh, oh ma pire phobie. Oh, je suis putain, j'suis thalassophobique, les refs, ça me met pas bien. Ça m'aide très peu bien. À part ça, dis-moi sincèrement, est-ce que t'as passé un bon moment? Est-ce que t'as passé un petit moment tranquillement, posé avec moi? On a bien rigolé, on s'est surtout fait un petit peu flipper et c'est ce qu'on adore dans cette série où on décortique en fait les TikTok les plus effrayants du moment et on les analyse. Voilà, tranquillement. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, de rejoindre le Cookie Gang. On est en petit comité. Voilà, sur ma chaîne principale, on n'est pas trop nombreux, on est tranquille, on peut se faire des petites blagues. Je peux me lâcher comme je veux parce que je sais qu'il y aura pas des millions de personnes qui vont la voir. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne secondaire tranquillou. C'était Noah, ce fut un plaisir. Plein de bisous, plein de bonnes choses. Rejoins le Cookie Gang, l'armée, et mets ta petite photo de profil. Ouh, vidéo incroyable, j'ai adoré. Je vais pas dormir cette nuit, mais j'ai adoré.